Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les amis, où c'est qu'on arrive à l'épisode 3 de la construction de notre karting les gars. Donc j'avais un rêve, c'était de fabriquer un karting, enfin de fabriquer un véhicule à moteur. Et du coup aujourd'hui, on est dans le troisième épisode de la série où c'est qu'on le construit. Et du coup, regardez ce que ça donne. Bam! Là, on en est là, c'est un karting vélo, mi-karting, mi-BMX. Et en fait, c'est un avant de BMX avec un arrière de trottinette qu'on a modifié. Et du coup, quand on s'assoit, eh ben, ça donne ça. Et c'est assez stylé. Si jamais vous n'avez pas vu les premiers épisodes, enfin le numéro 1 et le numéro 2, je compte sur vous. C'est juste ici. Et sinon, les potes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le dernier épisode, on a galéré tout ce qui était niveau moteur, roue, mettre les pignons. Ça nous a saoulé. Et là, eh ben, dans ce troisième épisode, on va essayer de faire notre support moteur, mettre le moteur et voir si ça commence à marcher. Ça serait bien. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros like. Je compte sur vous, à commenter si c'est pas encore fait. Et surtout à vous abonner pour louper aucune autre vidéo. Je compte sur vous. Bref, Anto, t'es chaud? Allez, c'est bientôt fini là. Il est quelle heure? 15h48. Faut qu'on se dépêche. Faut qu'on se dépêche. Let's go baby. Alors on amène là-bas. Bon les amis, regardez, là c'est le moteur, enfin c'est le moteur, c'est le truc qu'on a fait, qui est un petit peu voilé, mais bon, c'est pas très très grave, hein. Déjà on veut voir si ça marche. On va mettre le kart là-dessus, 1, 2, 3, oh, il pèse une tonne là. Voilà. Voilà, on va taffer ici maintenant. Bon, maintenant, Anto, là, ce qu'il faut faire, c'est notre support moteur. Je pense qu'il faut remettre le moteur vissé sur le truc. Donc, le remettre, tu vois, le remettre sur le moteur là. Là, on le remet là-dessus. On revisse tout bien. Et là, on commence à fabriquer notre cale. Tu en dis quoi? On fait ça? Ouais, bah, on a pas le choix là. L'essence, on fait le réservoir. Non, mais je veux dire, on le remet maintenant. On va le refixer là. Bon, vas-y, déjà, on va remettre ça. Et ensuite... Mais non. Mais non, mais si. Parce qu'après, c'est une plaque qu'on va mettre là, qu'on va souder. D'abord, faut souder la plaque. Tu vas voir. T'inquiète. Tu vas voir. Vas-y. Voilà, ça c'est bon. Vas-y, maintenant on remet ça. Là, tu sens direct, hein. Là les gars, ce que je vais faire, c'est que regardez, je vais faire en fait notre socle pour le moteur. Du coup, je vais récupérer cette pelle, ce petit seau. Hein. Désolé papa, ton seau, c'est moi qui te l'a niqué. Tu vas souder quoi? Tu vas souder ça sur la plaque? La hauteur déjà, c'est bon la hauteur. Ah, tu vas mettre ça? Ah voilà, d'accord, ok. Et ça va pouvoir, on va pouvoir le mettre comme ça? Il faudra mettre le moteur pour voir la distance avec la courroie. La chaîne, je crois qu'on est baisé. Pourquoi? Tiens-moi ça, en fait ta chaîne, elle est entière comme ça. Ah ouais, tu vas faire sur tes maillons. Oui, la peinture prend feu. Ouais. Ah, ça, c'est fait. Bon les potes, topo, là c'est bon, Anto a réparé le moteur. Moi là j'ai fixé le... Enfin j'ai fini de fixer la tôle pour faire le support. Maintenant on va fixer le support à... Bah ça. Le support moteur. Voilà. Voilà exactement. Le petit support moteur qui va aller juste ici. Alors là, fais voir le moteur. Ça tu vois, je l'ai dit, c'est comme ça. On aura du jeu, tu vois, on pourra soit le décaler. Ouais. Allez, c'est parti, on met tout ça. On fait le socle moteur les gars. On le fixe. Il faut aussi que le quartier tourne. Ah, démarre, il démarre, mais faut pas qu'il cale. Bon les potes, là on a fait tout ça, mais en fait le truc est con, c'est qu'on s'est dit dans quel sens ça va tourner, en fait, dans quel sens le moteur tourne. Ça se trouve on a fait tout ça, mais c'est à l'envers. Genre il faut que la roue, elle tourne comme ça, si elle va dans l'autre sens, on fait marche arrière quoi. Est-ce que tu sembles démarrer? J'imagine. Si, démarre. Allez, s'il te plaît, allez, vas-y. Oh, oh. Vas-y, vas-y. Allez, dans quel sens? C'est le bon? Attends, il a calé, bon, c'est pas grave. Ça va à droite là? Ouais, il tourne comme ça. Donc ça tourne bon. Attends, parce que là, il y a un effet d'optique dans la caméra. Donc on avance, ah, c'est bon. Attends, on attend qu'il s'arrête. Par contre, le serpent, c'est tout seul en fait, extrêmement. Il faudrait le bloquer. Ah ouais. Et là, attends, du coup. Ça c'est bon. Voilà, dans ce sens. Et c'est nickel, Anto! Vas-y, tape là. Nickel. Bon ben on est content, le moteur il démarre, il tourne dans le bon sens, du coup maintenant faut plus que le fixer. Ouais, il y en a là il y est, mais là il... C'est pas, c'est quoi? Ah, même pas une règle quoi. Elle est tout droit. Attends, le cache, gros, moi ça là, fixe-moi ça là. Ouh, tu sais rien, c'est un canal. Et encore, comme ça on peut le couper, le recaler. Frère, ça. Vas-y, enlève-moi ça. Attends, attends.
vas-y, on voit les grislins. Bon les gars, avec Antoine, on a... Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement désespéré qu'on veut voir si ça marche qu'on accroche le moteur avec des grislins. C'est important. Ah ouais. Le plus important, le moteur. Ça trouve, il va partir, il va faire je sais pas quoi, mais non. Avec un grislin. Ah, c'est vraiment gars. Tiens. Ça ira pour la campagne. Ça bouge plus. Hein. Ouais. Oh, il bouge plus. Ouais. Maintenant, faut mettre la chaîne. On allait bien tout au début, sauf quand on passe au moteur. Bon, pour la chaîne alors. Ah, c'est sympa. Hein. On aurait dû faire une grisade d'entrée. On a acheté une chaîne pour rien quoi. Ouais. Chien. On l'a déformée aussi. Bon les gars, est-ce qu'on est les gars les plus poisseux de la planète? Oui, parce qu'on a acheté la chaîne qui n'est pas bonne. La chaîne genre elle a pas la bonne taille. Du coup on a pris la chaîne du BMX qui est là, de l'ancien BMX. On l'a traficotée, on l'a disquée pour qu'elle se mette là dedans. Et maintenant on n'a plus à la mettre. Essaye de la tourner, faire tourner le moteur. Mais oui, mais il faut tourner les roues. Attends. Vas-y, voilà. Vas-y. Allez. Oh. C'est bon, on y est. C'est bon, il y a la chaîne. Les gars, c'est fou, ça bouge plus ça. Il y a la chaîne. Oh là. Ah c'est beau. Attends, viens, on essaye de démarrer. On la met sur le câble. Regarde, en vrai. Mais par contre, il n'y a qu'une roue qui va faire tourner le café avant cette carte. Attends, voilà, recule un peu la cam. C'est un truc pour les enfants, genre, c'est papa qui accélère. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, mon fils, vas-y. Vas-y. Ah, certains sont. Bon les gars, c'est chiant, ça pue la merde. Ah, ça c'est le moment le plus chiant. Je tiens quelque chose, bah déjà il a plus fait brom brom, tu vois. Bon les potes, c'est bon, on a trouvé la solution à notre problème. Est-ce que on parle de notre problème, comment, pourquoi ça calait? Anto, est-ce qu'on a honte? Moi oui, j'ai honte. Vous savez pourquoi ça calait? Parce qu'en fait c'est la mauvaise essence. La mauvaise essence, ça calait beaucoup trop et du coup là il ne cale plus. Bon là on n'a pas encore tout fini, vous voyez, c'est pas encore voilà, c'est pas encore très bien. Du coup, je vais essayer dans la descente, les gars. Je vais essayer dans la descente. Déjà, les gars, on va démarrer le kart. Est-ce que ça va marcher? Regardez. Déjà, il cale plus. Hop, on. T'es prêt? Vas-y. Hein. Yeah, man! 3, 2, 1. C'est que notre moteur n'est pas assez puissant, putain. Il est pas du tout assez puissant. Alors c'est une drôle dans la descente, hein. On y croirait. C'est tout. C'est tout quoi. Ah, je suis deg les gars. Quelqu'un a une tronçonneuse à donner, vas-y dis. C'est vrai les gars, personne n'a une tronçonneuse à donner. Je pense qu'un moteur de tronçonneuse, ça passerait, tu vois. Mais je suis trop deg mon gars. Tout marche. La chaîne, même si c'est pourri, que c'est fait version blédard, ça marche, tu vois. Il y a tout qui marche. Le moteur, il est tenu avec des rislans, ça marche. Tout marche. Juste le moteur n'est pas assez puissant. Il y a pas de frein aussi. J'aurais pu me manger la piscine, mais c'est pas grave. Les amis, si jamais il y en a qui connaissent, s'il y en a qui savent comment, quel moteur il faut pour faire ce genre de véhicule, l'avancer, franchement, il est pas très très lourd, hein. Le plus lourd, c'est ah moi. Ouais. Ah, moi aussi. C'est juste que t'as fait ta tour en air et que c'est pas un succès, quoi. Bon, on a un beau châssis qui tient bien. En tout cas, vous inquiétez pas, il va avoir une suite à ce petit karting. Je vais pas abandonner. Là, c'était le troisième épisode. Tout marche, hein, tout est nickel. Mais le moteur, c'est pas ça. Le moteur, c'est pas ça. Du coup, il va falloir que je trouve un autre moteur. Si vous, vous avez des liens de moteur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je compte sur vous. Attends, mais je vais faire essayer à mon père. Papa! Viens essayer vite fait. Attends, mais avec le moteur pour faire style, tu vois. Attention papa, est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1, go! Oh.
pousse, tu pousses. Allez, vas-y, tu vas le faire, papa. C'est pas mal. C'est pas mal en descente. En descente. Putain, je suis deg. En tout cas, si jamais vous kiffez ce genre de vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre le gros like, je compte sur vous. Et si jamais vous voulez qu'on continue le projet du kart, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et à me le dire en commentaire. En tout cas, je vais continuer mes recherches. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que si on va le peindre aussi, on pourrait le peindre. Ça pourrait être... Même s'il marche pas, on peut le peindre. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Puce.